Voilà, donc j'avais cherché sur Wikipédia comme je vous le disais. Donc, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo en deux parce que déjà elle était un peu trop longue sur le début et surtout parce que Java Platform Siberi a buggé. Alors, excusez-moi, franchement, c'est pas moi qui l'ai choisi celle de, que Platform machin truc a buggé. Alors, je vous prie de m'excuser pour avoir partagé cette vidéo en deux, mais bon. C'est pas plus mal. Alors. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit que je ferais un vol de nuit. C'est vrai. Je l'avais dit. Alors je le fais. Ouais, c'est 10 fois plus beau en nuit, hein, franchement. Oh là là. Par contre, ça va me faire un quand même pas mal bugger. Donc j'espère juste que ça va pas trop le faire non plus. Hein. Hop, alors là, par contre, de vol de nuit, c'est assez dur à voir à l'aéroport. Mais bon, sinon. Alors là tout de suite, pourquoi je vole tout de suite au-dessus des nuages? Parce que je vais devoir passer pas mal de collines. Et que les collines, c'est pas trop. J'ai pas envie de me cracher en pleine nuit, là, ça serait vraiment con, mais alors con. Alors, ici, gros bug. C'est un peu chiant parce que la map se génère en même temps que l'avion vole. C'est parce qu'on va trop vite par rapport au générateur de map. Bon. C'est pas très dramatique, mais on n'a pas le temps bien de voir le paysage. Donc là, on a le deuxième aéroport que je vous avais présenté. Et le premier, il est. Voilà, maintenant on pourra descendre en dessous. Le premier est vers là-bas. Donc alors c'est pas. Je vais peut-être pas atterrir du premier coup dessus parce que c'est quand même assez chaud à voir. Parce que justement, comme c'est surtout parce que la map se génère comme ça que c'est assez dur de voir. Où est bien l'aéroport? Alors, pitié qu'il n'y ait pas de montagne devant. On sait jamais en fait si, qu'est-ce qu'il y aura devant. Super, je m'éloigne. Alors, il n'y avait pas de neige. Alors. On va un peu faire à peu près le tour. Cette montagne. Je me rappelle, il n'y avait pas de neige. Ah, je crois que c'est vers là-bas. Et bah, merde. C'est. Là, fais rien, fais rien, fais rien, c'est pas dramatique. On va retourner de toute façon maintenant comme l'aéroport. Voilà, on peut voir la piste et tout en dessous. L'aéroport s'est généré, on va donc atterrir. Alors, j'essaie quand même de faire pas un atterrissage merdique, hein. Parce qu'il y en a qui atterrissent vraiment à l'arrache. Moi, j'essaie de faire ça de plus réaliste possible. En même temps, j'aime bien aussi les avions. Hein. Mais c'est pas vraiment un truc où j'irais vraiment dedans, quoi. Du sens que je piloterais en vrai. Alors, là, on va aller un peu à l'arrache aussi, mais pas forcément. On ralentit. Et juste au fait, au dernier moment, pour bien atterrir, il faut bien appuyer sur espace. Et on atterrit en même temps. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas la mer à boire non plus. Ouais, l'avion est un peu, franchement, un peu penché. Une fois, je l'ai vraiment fait parfaitement. Mais ça, bon, c'est ça, c'est rare quand même. Alors, on va ranger ça dans le hangar. Et on va tout de suite aller dormir. Oula, c'est chiant ça, avec le fly de merde. Ah, voilà, c'est passé. On va tout de suite aller dormir parce que j'ai mis un petit vide dans ma tour de contrôle. Okay. Pour ceux qui savent pas comment se stopper sur une échelle, il faut appuyer sur Shift. Hein. Voilà. Un petit truc un peu bon à savoir en tout cas. Donc voilà, donc là on est en haut de la tour de contrôle. Avec là au fait les sièges. Hop. Et les leviers, etc. Avec les notes blocs. Pour symboliser les micros, etc. Il y en a même au-dessus. Ouais, il y en a même au-dessus. Et là, on a le petit lit. Alors, on va dormir. Attends, je m'assure qu'on est en peaceful. Ouais. Alors c'est parti. En même temps, ça me fait une petite occasion de présenter la tour. Alors, de contrôle. Maintenant, on va voir, à mon avis, le plus attendu. L'aéroport sous l'eau. Alors l'aéroport sous l'eau, de nuit, c'est impossible d'atterrir dessus parce que c'est carrément en dessous de la glace. Ah oui, mon ticket. Hein. Bah de toute façon, j'ai pas encore terminé d'atterrir.
de mon petit voyage en avion. Alors, c'est parti, on redécolle. Bon, je vais pas décoller à l'arrache parce que ça serait vraiment con. J'ai fait un aéroport pour ça. Alors oui, je me suis cassé le cul en fait à poser la laine noire. Je l'ai pas fait avec World Edit, je me suis cassé le cul à poser la laine noire. Par contre, je vous cache pas que les autres aéroports, hein, parce que j'avais pas envie de refaire ça. Je l'ai fait avec World Edit, hein, parce que vous avez pu remarquer que le troisième il est avec de la stone et le deuxième avec de l'obsidian pour symboliser la piste. Donc je vous cache pas que je l'ai fait avec World Edit. Alors là, excusez-moi, c'est un peu le son de Messenger. Alors, on décolle. À chaque fois, je rase le sol, c'est ça qui est bien. Alors, l'aéroport est juste en fait à côté du premier, c'est justement pour éviter de... Parce qu'en fait, un aéroport en général n'est jamais à côté d'un autre. Et bien justement, j'ai fait exprès que ce soit à côté de l'autre pour justement faciliter... Enfin, pour que... éviter que des personnes viennent là. Même si je suis en partie en solo, si un jour je publie la map en multi, ça peut toujours être utile. Alors... Après, j'arrive jamais à me connecter au serveur, je sais pas pourquoi. Soit, alors, normalement... Ouh là là, quelle merdique. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouh là là, la merde, j'ai failli plonger dans l'eau là, et j'étais même pas en face de la piste, j'ai remarqué que j'étais complètement à l'opposé quasiment. Alors là, vous voyez, elle est sous l'eau là. Ça va être un peu... c'est un peu short, hein. Je vous le cache pas. Ah, le beau petit bouton brun. N'est-ce pas magnifique? Une grotte, la lave. Si je fonce dans la tour de contrôle, c'est un peu, ce sera vraiment pas top. Non, c'est bon. Allez, tourne. Bon, allez, on va aller à l'arrache. On s'en fout. On va aller à l'arrache. C'est parti. J'espère juste qu'il n'y ait pas de montagne, un truc du genre. Voilà. Putain, j'ai réussi. Par contre, pour atterrir, on peut pas atterrir droit là-dessus. Hein. Ah, j'ai réussi. Je reviens pas, j'ai réussi. Voilà, demi des hangars. Hop. On peut ranger l'avion. Toujours avec le fly. Là, on ouvre la porte. On la ferme. En fait, je sais pas comment j'ai fait pour... Même si les deux là sont actifs, sont désactivés. Bon, je sais pas comment j'ai fait en fait. Voilà. Ici, je sais pas vraiment ce que c'est, je m'en rappelle plus. Là, un petit coffre avec rien dedans. Enfin, voilà quoi. Là, c'était vraiment pour le fun. Voilà. Ici, on a deux hangars. Ici on a la piste de décollage, je vais quand même essayer... je vais quand même décoller là, parce que ça va être un peu chiant. Ici on a une sorte de petite base secrète. Ici avec une petite sonnette assez marrante. Un sorte de tapis représentant avec des rails, un peu de tout. Ici, non, ici c'est le couloir. Là normalement c'est la mine, donc ma mine. Là. Ici on a un sort de ferme un peu. Donne un peu de compagnie, j'aime bien. Avec là un distributeur de torches. Alors attendez. Voilà. Il y a 5 petites torches que je peux poser. Une, trois, là voilà. Ici on retourne dans dans rien. Tiens, j'ai même pas aménagé le sol. Ça m'étonne, je pensais que j'avais tout aménagé. Rien. Et normalement, si je me trompe pas, j'ai encore une salle, voilà, avec un sort de petit potager que j'ai fait. Alors, celui-là, c'est plante là et à ta maturité. Celle d'à côté, il faut juste attendre encore un peu. Celle-là, c'est de la sont à maturité. Et je plante, voilà ce qui me fait chier. Alors, on va tout de suite prendre une haie, une faux, je veux dire. Voilà. Ah, celle-là aussi. Hop, voilà. Alors, je quitte. Voilà, le doué. Je quitte tout de suite ça. Hop, ça, on n'a rien à foutre. Ah, j'ai perdu mon petit ticket en route. On fait rien, je vais en prendre un. Hein. Voilà. Je vais décoller. Souhaitez-moi bonne chance, puisque là, ça craint. Je sais pas, le décollage, franchement, j'ai vraiment fait la piste. En fait, c'était impossible parce qu'il y avait de la glace. Et en fait, c'était impossible de décoller. Parce qu'il y avait de la glace et l'avion se cassait à chaque fois. Ah bah, intéressant dans l'avion. Bon, enfin, rien. Et alors, du coup, ce que j'ai dû faire, c'est
décollé, mais alors vraiment, j'ai dû péter toute la glace, toute l'eau. J'ai, enfin, vous allez voir, c'est un massacre. On voit que dalle pendant un moment. Et voilà, c'est la tuerie. Ah, c'est parti, je vais essayer tant que bien pour mal de décoller. Alors, j'ai pas de chance en plus, j'ai attiré. Oula. Voilà qui me réconforte franchement là. Ouah, ça va plus du tout là. Générateur de map, bordel. Alors. Voilà, là c'est de la tuerie. Je vous dis. Oh là là, putain. Alors là, au fait, on voit que dalle. On a vraiment l'impression qu'on va se crasher. Mais au fait, non. Voilà oh là, comment je bug. Oh là là, le FPS est de 1. De 5, de 6, de 4. Oh là là, c'est bon, c'est bon. Non, putain. Et voilà. Epic fail. Super fail, je veux dire. Oh là là. Je vous ai dit, là. Putain, la vache. Bug. Ah, ça bug, hein. Voilà. On saute. Fly 3. Vous avez pu voir que ça, c'est la piste de décollage. C'est-à-dire que, au fait, le premier truc, c'est que je traversais, en fait, ces lignes d'eau. Et avant, je traversais toute cette eau avec la glace juste en dessous pour assez prendre assez de vitesse pour pouvoir décoller par la suite ici. Et problème, c'est que voilà, ça reste pas, j'ai pas tourné assez, j'ai pas été assez haut et bon, fais rien. Je pense que je vais j'améliorerai ça, j'améliorerai ça. Alors le gros souci, c'est que vous voyez, si on pète en fait la glace, après elle se remet par le temps. Alors voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, et j'espère, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre j'aime sur la vidéo. Au revoir.